Conformément au mandat de la mission d'enquêter sur les allégations des violations et abus des droits de l'homme et compte tenu des allégations reçues qu'il y a eu des exécutions sommaires et extrajudiciaires ainsi que des incendies dans ces villages. La mission a décidé de déployer une mission d'établissement des faits en vue d'abord d'établir les faits tels qu'ils se sont passés, connaître la chronologie des événements et aussi s'assurer que les allégations que nous avons collectées à distance ont été confrontées et aussi voir l'étendue des destructions par incendie qui se sont passées dans ces villages des Binedama. C'est une forte équipe des chargés des droits de l'homme, appuyée bien sûr par la force de la MINUSMA, la police de la MINUSMA. Confronter la vérité contribue à apaiser les cœurs, à faire avoir des informations qui vont aider la justice malienne à dire le droit, à établir les responsabilités individuelles et collectives sur ce qui s'est passé et aussi contribuer à la lutte contre l'impunité. Et ce travail est essentiel. Je vois comment les populations ont apprécié la présence de la MINUSMA, d'abord militaire qui est venue, qui était toujours ici, et ensuite la division des droits de l'homme avec l'équipe d'enquête qui est venue effectivement se rendre compte de ce qui s'est passé. Et je le dis toujours que les missions d'établissement de faits, les conclusions des missions d'établissement de faits ou des enquêtes ne sont pas les enquêtes criminelles. Il s'agit pour nous de mettre à la disposition des informations qui sont crédibles, vérifiées, à la disposition de la justice pour que la justice fasse effectivement son travail. S'il n'y a pas de lutte contre l'impunité, il y a l'arbitraire. Et l'arbitraire conduit à des situations déplorables pour tout le monde. Et il faudra aussi que lorsque les faits aussi graves se sont commis et ont été établis, il faut que la justice fasse son travail et que, comme je l'ai dit et j'insiste, que la responsabilité soit légalement établie à travers le cours des tribunaux maliens.